Là, vous ne le voyez pas bien, mais vous voyez ici, vous avez un petit résumé. Le résumé que je vous avais montré sur le métadata, le résumé que je vous avais montré, il est en bas ici. Et vous avez deux images tout à fait en bas. Hein? Ici. Vous regardez ici, ça vous donne quoi? Open metadata, ressources. Et là, c'est la donnée. Donc, vous pouvez downloader, télécharger les données ici, accéder à la métadonnée en cliquant par là. Espérons que ça va marcher. Donc, ça marche, mais là, ça n'a pas fait l'objet d'une mise à jour. Ça t'ouvre cette fenêtre-là pour te dire le titre, les mots-clés, le résumé. Parce que quand on fait l'information ici, on le fait sur ce qu'on appelle en cartographie le map file. Et à partir du map file, on donne une adresse internet aux métadonnées. Hein, ID, ou d'autres l'appelaient DOI. Si vous voyez dans des documents où le sigle DOI, ça c'est l'adresse lien des métadonnées principalement ou d'une chose qui. Donc là, c'est pas bien. Donc je vous ai dit qu'il y a des choses à mettre à jour dedans. Donc, voilà. Voilà. Même toute la partie sénégalais et trucs est sautée parce qu'il y a une mise à jour à faire. Donc, vous avez cet ensemble de choses. Donc l'ensemble de tout ce qu'on a mis ici pour presque 8 pays africains plus les grands écosystèmes marins. Donc, c'est ça qu'on a produit comme catalogue de métadonnées sur le GeoNetwork. Ouais. Comment faire pour avoir accès à ces données? Vous avez tourné que seuls les utilisateurs. Non, non, ça, j'étais sur le GeoNetwork. Pour avoir le droit d'accéder, de modifier sur la métadonnée, vous ne pouvez pas. Mais le droit à l'information, vous passez par le site. C'est pour cela que je suis passé par le Atlas. Et à partir du Atlas, pour chaque paramètre qui vous intéresse, vous pouvez avoir l'information sur la métadonnée. En cliquant ici. Donc, là, si c'est la mise à jour finie, si vous arrivez là, ça vous ouvre la feuille de métadonnées. Et si vous cliquez ici, vous pouvez télécharger les données. Parce que sur la source, là où on travaille, nous, il y a un lien qui nous permet de télécharger les données. Par exemple, le silicate, l'humidité relative qu'on a là-bas. Mais ça, c'est des données grid, travaillées. Ce n'est pas les données brutes. C'est des données grid, des données agrégées, des données travaillées, des données vérifiées, validées, qui ont donné cette image-là. Ce sont ces données-là dont tu auras accès. Vous comprenez? Voilà. Tu étais partant, hein, toi. L'idée est venue du projet Odin Africa. On était 22 pays. Mais comme tout processus, quand on partait, il y a des gens qui sont bien partis, il y a des gens qui sont moyennement partis, il y a des gens qui sont quasiment pas partis. Donc au fil du chemin, en termes de suivi, en termes de compétences, en termes de capacités, parce que tout ceci a fait l'objet de formation en termes de ce que vous avez suivi ici, depuis 2000 jusqu'à maintenant. Donc sur d'autres aspects de l'océanographie. Et à partir de cet instant, on a fait une évaluation de l'équipe. En faisant une évaluation de l'équipe, il y a un groupe d'experts qui est sorti, à qui on a confié le travail de l'Atlas. Mais les autres pays aussi qui en font partie n'étaient pas exclus. Il y a un groupe d'experts pour travailler sur l'Atlas. Mais les autres pays aussi devaient travailler sur leurs données nationales pour leur Atlas propre. Donc, ils amenaient leur contribution. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de cet instant, tous les pays qui étaient en mesure de fournir l'information et de participer, ont leur Atlas dedans. Donc, plus des gens responsabilisés pour faire par écosystème marin. Donc, ce qui fait qu'on a eu tout ça, plus 4 écosystèmes marins qu'on a fait l'Atlas. Comme il disait, le projet Odin Africa, c'est quasiment, au départ c'était 22 pays. Mais dans chaque pays, Odin Africa, le nom c'est Ocean Data and Information Network.
Le network aussi, on devait le retrouver à l'échelle nationale. Par exemple, ici au niveau du Sénégal, on a créé un réseau national où il y avait 52 structures dedans. Ça, c'est un. Donc, vous comprenez que 52 structures, c'est beaucoup. Quand il a fallu créer l'Atlas, on a regardé à peu près les 5, 7 ou 8 institutions qui ont vraiment de l'information océanographique. On les a formés sur ça et on s'est retrouvés pour avoir nos données nationales. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a tout un travail national de partenariat et d'échange à faire, à bâtir d'abord au niveau local pour que le réseau soit... Parce qu'en fait, le centre de données nationales doit être un point focal au niveau national. Où, même si elle ne génère pas la donnée, une copie de la donnée devrait lui être envoyée. C'est-à-dire que quelque part, le CNDO peut être le one-stop data shop en termes de marine. C'est-à-dire que pour l'environnement océanographique, si vous allez au centre de données, vous devrez avoir l'ensemble des informations et des données qui sont structurées et qui sont produites au niveau national. Ouais. Si vous permettez, je veux savoir comment cette base de données en Afrique s'est alimentée. Quelle est la méthode? Est-ce que toute donnée peut être alimentée, intégrée dans le comme information? Ouais. Et via une institution officielle, via... Odin Africa, c'est le site. On a le grand serveur est à Austin. Mais chaque pays, c'est structuré. Le serveur de Austin, par exemple, il ne peut pas accéder à la base d'informations sur le réseau d'air marine protégé au niveau du Sénégal. Moi, j'ai l'information avec mes collègues sénégalais. On a travaillé là-dessus. On a travaillé sur les CHEP. Et c'est devenu un layer pour l'Atlas. Donc chaque pays apporte sa donnée. Et en plus de cette donnée, on a puisé sur des données open source. Mais pas open source, mais si vous voulez open source. Mais par exemple, sur les données du réseau mondial. Ensuite, ce que le projet Odin Africa a fait pour avoir un certain nombre d'informations, par exemple sur beaucoup de pays ouest-africains, dans la phase 2 de Odin Africa, on avait pris un peu d'argent qu'on a financé le Centre mondial de données océanographiques. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le monde, il y en a quatre centres mondiaux de données océanographiques, dont un qui était en Russie. Au moment où de l'éclatement de la Russie, là, il y avait ce risque de perdre cette information-là. Donc, on les a financés. Ils ont pris l'ensemble des données qui existaient océanographiques, dont les bateaux russes ont fait l'objet de campagne. Ils l'ont mis à la disposition du World Ocean Data des États-Unis. Là-bas, on a retravaillé les données, on a assuré la qualité de contrôle. Et les pays africains ont reçu ces données-là sur un CD-ROM, support CD-ROM. J'ai le CD. Donc, pour vous dire que ces informations, en termes locaux, le projet Odin Africa a beaucoup travaillé pour le rapatriement de ces données-là. Donc, ce CD-là, il est là. Peut-être que demain, je pourrais l'amener et vous montrer le CD-ROM pour la région ouest-africaine. Au départ, c'est la région qu'on appelait IOCA. Il y a que dans le programme IOC, mais Central East Africa. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je disais tout à l'heure, au début de mes propos, que peut-être vous, dans 2 ans, 3 ans, vous allez faire partie d'une équipe africaine pour faire une mise à jour de cet atlas-là dans 3 ans, 4 ans, beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus affinée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un travail de groupe, ce n'est pas un travail d'une personne, d'un pays. Donc à l'échelle d'un pays, il faut s'organiser. C'est ça, c'était ça le but de Odin Africa, que les États, au niveau de chaque institution, puissent s'organiser. Les structures, y compris les ONG qui interviennent dans le domaine de l'environnement marin, puissent y contribuer et qu'à l'interne, il y a eu ce phénomène d'échange de données et de valorisation. Au Sénégal, ce même groupe élargi a été la base de la cartographie de la vulnérabilité du Sénégal aux hydrocarbures.
Donc, pour vous dire qu'il y a énormément de choses que, que les gens peuvent développer après ensemble à l'échelle du pays. Est-ce qu'il y a une méthode pour, la manifestation? Pour Hein? Unique. Ouais. Pour l'élaboration, hein? Et la validation. Oui. Dans, je dis pour le groupe d'experts, toutes les données qui sont issues des pays ont fait l'objet d'un contrôle, d'une validation. Et avant ça, il y avait une évaluation, surtout au niveau des institutions, s'il y existait à leur niveau des procédures de, validation et de contrôle qualité des données. Ouais. Ouais, il y a un protocole standard, par exemple, sur le World Ocean Data. Tu peux y aller. Ou bien sur le WOS. Le WOS a un protocole qui te permet d'assurer la qualité des données dans un laboratoire, dans un bateau, ainsi de suite. Donc, un bateau, c'est un laboratoire aussi en même temps. OK. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous donner comme information sur les métadonnées. Vous avez déjà comment créer une métadonnée propre. Par exemple, la table Excel, vous pouvez, je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Ce qui est important, c'est la première ligne. Dans le World Ocean Data, dans ODV, on a mis tous les paramètres potentiellement existants qu'on peut récolter de la mer. Mais vous, à votre niveau, certains paramètres, vous n'en avez pas besoin, vous les supprimez. Vous pouvez prendre ce premier tableau comme base de référence. Ensuite, vous créez d'autres tableaux où vous élaguez les paramètres dont vous n'avez pas besoin. Et ce tableau, même en Excel, la feuille Excel, vous pouvez la sauvegarder en ASCII. Cette feuille ASCII, vous demandez ça comme grid à ODV. Vous téléchargez ça et vous pouvez regarder, visualiser l'ensemble des stations de votre campagne, l'évolution des paramètres par profil, des paramètres que vous avez collectés en mer. On est d'accord? Donc, on croise les draps en espérant que vous aurez la chance d'avoir beaucoup d'argent et de refaire des cours beaucoup plus approfondis sur la cartographie, des paramètres environnementaux et océanographiques. Et le serveur, il est déjà sur place à Houston. C'est pour, ça continue à tourner. Donc, il y aura possibilité de faire quelque chose dessus. Et par rapport à toute cette information, c'est des services que Odin Africa avait fournis. Et ce genre de services, on continue toujours à le fermer. Et ça fera l'objet d'une présentation demain par Aram. Et ensuite, dans le cadre même de la contribution de Odin Africa dans le processus scientifique du monde, vous aurez une petite présentation aussi de Ismaël Ndour sur le OBIS. Vous connaissez OBIS? Donc OBIS, c'est la partie ressources, où il y a les poissons, il y a biodiversité. Donc Ismaël vous fera une présentation demain aussi.